Depuis quelque temps, le besoin en équipement pour le maintien d'ordre se fait sentir. Parmi les zones les plus nécessiteuses du pays, la région forestière. Ce lundi, cette région bénéficie de l'appui technique du gouvernement guinéen. 5 nouveaux pick-up sont remis aux forces de l'ordre et de sécurité. En forêt en général, notre spécificité est que notre relief est accidenté. Donc on a besoin de beaucoup plus de véhicules ici que dans les autres régions du pays. Avec ces nouveaux équipements, les bénéficiaires s'engagent à jouer pleinement leur rôle de sécurisation des personnes et de leurs biens. Au ministre d'État chargé de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, pour avoir nous doté les forces de sécurité, des véhicules pour les faciliter leur mobilité, pour traquer, fouiller et traquer tous les bandits dans la zone forestière. Cette dotation vise à renforcer la capacité d'intervention des agents de terrain. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Un programme du président de la République dont l'objectif est de doter la population guinéenne d'une armée au service des citoyens.